Dans les petites affaires, faites confiance à l'esprit et dans les grandes, au cœur, Sigmund Freud. Cette citation met en évidence le souci de Freud d'équilibrer l'intelligence émotionnelle et la pensée rationnelle lors de la prise de décision. Dans les petites affaires, comme les décisions quotidiennes, nous pouvons faire confiance à notre esprit et à nos jugements raisonnés. Cependant, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes dans la vie, nous devons écouter notre cœur. Écoutez ces citations de Sigmund Freud qui vous motiveront et enrichiront votre vie. Un jour, rétrospectivement, les années de lutte vous paraîtront les plus belles. La seule personne avec laquelle vous devez vous comparer, c'est vous dans le passé. Les émotions non exprimées ne meurent jamais, elles sont enterrées vivantes et ressortiront plus tard sous des formes plus laides. Où va une pensée quand elle est oubliée? Une femme doit adoucir un homme, mais pas l'affaiblir. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons été ce que nous avons été. Dans cette citation, Freud souligne que nos expériences passées ont joué un rôle dans la formation de l'individu que nous sommes. Il est possible de surmonter nos difficultés actuelles en explorant notre enfance dans le but de comprendre comment certaines expériences nous ont façonnés. Le comportement d'un être humain en matière sexuelle est souvent un prototype pour l'ensemble de ses autres modes de réaction dans la vie. La plupart des gens ne veulent pas vraiment la liberté, parce que la liberté implique la responsabilité. Et la plupart des gens ont peur des responsabilités. Un homme qui a été le favori incontestable de sa mère garde toute sa vie le sentiment d'être un conquérant. Je n'ai pas trouvé grand-chose de bon chez les êtres humains. D'après mon expérience, la plupart d'entre eux sont des ordures. Les mots ont un pouvoir magique. Ils peuvent apporter le plus grand bonheur ou le plus profond désespoir. Ils peuvent transmettre le savoir d'un professeur à un élève. Les mots permettent à l'orateur d'influencer son auditoire et de lui dicter ses décisions. Les mots sont capables de susciter les émotions les plus fortes et d'inciter tous les hommes à agir. Dans cette citation, Freud montre que les mots sont des outils très puissants pour influencer la communication. Il est vrai que les mots peuvent être utilisés à des fins positives ou négatives. Chacun est encouragé à toujours utiliser des mots qui inspirent et laissent un impact positif. La grande question à laquelle on n'a jamais répondu et à laquelle je n'ai pas encore pu répondre, malgré mes 30 années de recherche sur l'âme féminine, est de savoir ce que veut une femme. Les fleurs sont reposantes à regarder, elles n'ont ni émotion ni conflit. Lorsqu'il s'agit de prendre une décision de moindre importance, j'ai toujours trouvé avantageux de peser le pour et le contre. Si vous n'aimez pas une personne, c'est parce qu'elle vous rappelle quelque chose que vous n'aimez pas chez vous. Je ne connais pas de besoin et d'enfance aussi fort que le besoin de protection d'un père. La vie sexuelle des femmes adultes est un continent noir pour la psychologie. De vos vulnérabilités naîtra votre force. Dans cette citation, Freud souligne qu'il est possible de transformer ses faiblesses en forces. Nous pouvons grandir et mener une vie plus satisfaisante en affrontant les défis auxquels nous sommes confrontés. Lorsque l'inspiration ne vient pas à moi, je vais à mi-chemin pour la rencontrer. Avant de vous diagnostiquer une dépression ou un manque d'estime de soi, assurez-vous que vous n'êtes pas entouré d'imbéciles. La voix de l'intellect est douce, mais elle ne s'arrête pas tant qu'elle n'a pas été entendue. Les hommes sont plus moraux qu'ils ne le pensent, et bien plus immoraux qu'ils ne l'imaginent. Les rêves sont souvent plus profonds lorsqu'ils semblent les plus fous. Parfois, un cigare n'est qu'un cigare. Dans cette citation, Freud insiste sur le fait que tout n'est pas symbolique ou n'a pas de rencontre frappante.
Parfois, il n'est pas nécessaire de trop analyser les choses. Il suffit de les considérer telles qu'elles sont à première vue. Plus une personne est parfaite à l'extérieur, plus elle a de démons à l'intérieur. Le premier signe de stupidité est l'absence totale de honte. À ce moment-là, lorsqu'une personne commence à réfléchir sérieusement au sens et à la valeur de la vie, vous pouvez la considérer comme un fou. L'histoire n'est qu'une succession d'erreurs commises par de nouvelles personnes. Les hommes sont forts tant qu'ils représentent une idée forte. Ils deviennent impuissants lorsqu'ils s'y opposent. Tout comme un homme d'affaires prudent évite d'investir tout son capital dans une seule entreprise. La sagesse nous recommanderait probablement de ne pas attendre tout notre bonheur d'une seule source. L'expérience nous apprend que le monde n'est pas une pépinière. Dans cette citation, Freud comprend que la vie dans le monde n'est pas facile. Dans le monde, nous devons être prêts à affronter toutes sortes de difficultés et de problèmes. Trois des domaines les plus importants de la vie sont le travail, l'amour et la prise de responsabilité. La vie telle que nous la trouvons est trop dure pour nous. Elle nous apporte trop de douleurs, de déceptions, de tâches immenses et impossibles. L'amitié est un art de la distance alors que l'amour est un art de l'intimité. Le but de toute vie est la mort. Il faut apprendre à renoncer au plaisir momentané, incertain et destructeur pour un plaisir retardé, retenu, mais fiable. L'homme vertueux se contente de rêver ce que le méchant ne fait pas dans la vie réelle. Il n'y a pas grand-chose qui fasse plus plaisir aux enfants que lorsqu'un adulte se met à leur niveau, renonce à sa supériorité oppressante et joue avec eux d'égal à égal. Les idées et les citations de Freud continuent de nous inspirer et de nous interpeller, en nous rappelant le pouvoir de l'imagination, l'importance de l'adaptabilité et le rôle de la perception dans la formation de la réalité. Nous vous remercions d'avoir suivi toute la vidéo. On espère que vous avez apprécié. Alors nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. À très bientôt. Vivre et non survivre. Soyons prospères.